Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exvius avec la particularité cette fois-ci de vous faire gagner quelques petits cadeaux gratuitement qui ne viennent pas du tout de ma part mais bel et bien d'un genre d'opération qui se déroule actuellement en Corée. Et d'ailleurs merci à toutes les nombreuses personnes qui m'ont contacté à ce sujet pour que je puisse avertir un maximum de personnes. Vous aurez la possibilité de gagner 30 méga pampinators, 50 000 gils, 5 clés magiques, 20 potions qui restaurent 10 points d'endurance, c'est énorme. Mais ce qui va le plus vous intéresser, ce sont les 3 tickets d'invocation rare. Le système d'obtention est très très simple, je vais vous le montrer de ce pas. Vous allez donc retourner sur votre écran d'accueil. Alors là, je suis sur l'émulateur, je pense que ça doit marcher sur le téléphone. Je vais donc utiliser l'émulateur avec le navigateur Google Chrome que je possède dessus. Vous allez sur cette adresse que je mettrai dans le lien de la description, en premier, en haut de la description. Vous n'avez plus qu'à la copier-coller si vous êtes sur... Voilà, sur émulateur, téléphone, etc. Donc vous tapez sur cette adresse, vous tapez entrée, donc vous arrivez bel et bien sur ce site. Non, je ne vais pas la traduire, je comprends entièrement le coréen, bien évidemment. Vous arrivez là, donc vous avez toute une page en coréen, vous cliquez simplement sur ce gros logo gris qui est ici. Alors je sais que c'est pas très grand, mais voilà, ça rapetissait la resize sur la vidéo, je suis désolé. Donc voulez-vous télécharger le client? Donc là vous faites télécharger, oui, donc moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le faire. Vous faites télécharger, voulez-vous installer? Oui. Voulez-vous donner les droits? Oui. Voulez-vous installer? Oui. Ouvrir? Oui. Vous acceptez tout, ce qui va à la fin vous ouvrir un truc qui s'appelle One Store. Donc c'est un petit peu la pub actuellement qui se déroule en Corée. Et vous allez donc arriver sur One Store, qui est tout simplement comme Coop peut être un... On va dire un store de jeux Jap. On a Google Play chez nous, on a l'Amazon Underground, on a comment dire, aussi pour iPhone. Donc avant d'arriver sur cette page, vous allez devoir passer par une étape où vous aurez un écran sur l'accueil rouge avec un système de login. Vous pourrez vous loguer avec un compte Naver spécial ou Facebook ou votre compte Google. Donc moi je me suis connecté avec mon compte Google tout simplement, au moins c'était simple, tac, tu rentres ton truc, t'es directement via l'émulateur logué. Et une fois que vous êtes logué, donc vous choisissez Facebook ou Google, vous arrivez sur cette page. Donc voilà, une fois le log réussi, vous allez dans la barre de recherche tout en haut à droite et vous allez devoir taper bien précisément, vous voyez, Final Fantasy Brave Exvius, comme ceci. J'ai tapé Brave Exvius, ça marche pas, donc paye ton moteur de recherche. Il faut bel et bien taper Final Fantasy Brave Exvius en complet parce que voilà, là il va vous afficher le nom du jeu. Hop, vous cliquez dessus, vous attendez, c'est un petit temps de chargement, et vous allez donc arriver sur la page de présentation du jeu comme à son habitude. Et en fait, sur cette page, vous avez une petite bande bleu foncé qui se déroule ici. Et à ce niveau-là, bon, moi c'est déjà téléchargé, mais vous cliquez ici. Vous allez avoir un genre de message confirmation avec un petit truc d'autorisation rouge, vous mettez oui, hop, et il va commencer par vous télécharger le jeu, tout simplement, comme si vous le téléchargez pour la première fois. Petite note importante, vous n'avez pas besoin de désinstaller le jeu, même si vous l'avez installé via l'Amazon Underground, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai un deuxième Final Fantasy Brave Exvius qui s'est rajouté ici. Je vais donc cliquer dessus. Et là, cette fois-ci, c'est le Final Fantasy Brave Exvius qui vient du store coréen qui va se lancer. Et là, vous allez faire une étape très simple. Hein. Je vous rappelle que vous avez sans doute... et je vous conseille de le faire si ce n'est pas le cas, sauvegardez votre compte Brave Exvius sur un compte Facebook, et il faut le faire si vous ne l'avez pas fait, c'est très très important. Du coup, quand vous êtes sur cet écran, alors moi je me suis déjà logué, mais en bas, vous avez à cet endroit-là le gros bouton connexion avec Facebook. Voilà, vous cliquez dessus, ça vous ouvre la petite page Facebook, vous connectez votre compte Facebook, ce qui va recharger votre sauvegarde, vous inquiétez pas, vous perdez rien du tout. Une fois que vous avez rentré vos identifiants Facebook, vous validez. Vous êtes donc sur cet écran, vous faites toucher l'écran, et là, il n'y a pas besoin d'aller réellement plus loin. Vous attendez la connexion en cours, et dès qu'il va commencer à télécharger les données, voilà, vous attendez quelques secondes. Et je crois qu'il a bugué le truc. Voilà. Voilà, une fois qu'il a commencé à charger les données, on s'en fout, vous cliquez et vous sortez. Il n'y a pas besoin de tout télécharger, on s'en fout, parce que le jeu considère que vous avez lié votre compte Facebook au compte du store coréen. Et du coup, il va vous créditer. Et ben voilà, les petites récompenses. Là, vous retournez sur votre compte normal, Amazon Underground, Google Play, sur votre iPhone, faites comme vous voulez. Et dans votre boîte, voilà, même si vous n'avez pas téléchargé toutes les données du jeu, c'est bon, la connexion a été réalisée. La connexion en cours est passée, et là,
vous devriez avoir dans votre petite box. Donc la particularité de choper les petites récompenses que je vous ai montrées juste au début. Ça va très très vite, c'est pas très compliqué. Faut juste réaliser les étapes convenablement. Ça prend à tout péter 5 minutes, 10 minutes si vous n'êtes pas à l'aise et que vous devez recopier peut-être le lien à la main parce que le copier-coller ne marche pas. Mais sinon, voilà, c'était très très simple. Voilà pour ce petit tuto. La vidéo n'est pas très longue, je sais. J'ai des problèmes d'émulation en ce moment. Concernant Amazon, puisque je suis dans les cadeaux, je vais essayer de mettre en place... À nouveau des Amazon Payback, peut-être un peu plus nombreux que la dernière fois, parce que la dernière fois, tout le monde n'a pas pu en profiter. Donc voilà, recevoir les cadeaux. Tac. Ça fait plaisir. Ou pas. Ah pardon, je suis plein. Je peux pas récupérer les pampinators. Ok, je les récupérerai plus tard, c'est pas grave. Donc j'ai essayé de mettre en place les Amazon Payback pour la semaine prochaine. Je promets rien. J'y travaille avec Amazon, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour... Mais voilà, si moyen de faire sur une grosse bannière qui pourrait intéresser beaucoup de joueurs et exclusifs, on va voir. Allez, petite vidéo courte mais sympathique parce que c'est toujours des cadeaux. Ciao tout le monde, sachez quand même, grosse importante, c'est valable jusqu'au 9 août. Donc grouillez-vous, hein, il vous reste 2 jours. Je sais, je suis désolé de l'avoir fait en retard. Désolé, je... désolé. J'ai pas d'autre mot. Tchuss, coupons.